27e promotion du GMIA est déjà prête à servir la patrie. La cérémonie de sortie de cette promotion s'est déroulée ce matin à la place de la Nation. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la diaspora a reçu ce matin le nouvel ambassadeur du Cameroun au Tchad, Mohamed Sani Sanimou. Il a présenté les copies figurées de ses lettres de créance. La lecture théâtrale, c'est le thème de la deuxième édition du mois international du livre et de la lecture qui se déroule à N'Djamena du 2 au 30 novembre. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. À la place de la Nation ce matin s'est déroulée la cérémonie de fin de formation de la 27e promotion du GMIA. La cérémonie a été présidée par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, des victimes de guerre et des anciens combattants, Bichara Issa Djadala. C'était en présence de plusieurs personnalités du pays, dont et le chef de l'État a été représenté à cette cérémonie par le ministre d'État conseiller à la présidence de la République, Noureddin Deloa Kassiré Koumakoy. Les temps forts de la cérémonie avec Mohamed Oumar Moursa. Après deux ans de formation, 49 lauréats de la 27e promotion de l'école des officiers interarmés au groupement des écoles militaires interarmées GMIA reçoivent leur épaulette du grade sous-lieutenant. Cette 27e promotion de l'école des officiers interarmés est baptisée au nom du défunt le général de brigade Karim Nassour, tombé en 2000 au champ d'honneur. Ces lauréats militaires sont appelés à servir et défendre leurs pays respectifs contre les ennemis de la paix. Le commandant du GMIA adjoint, le général Idriss Gat, explique que ces militaires ont bénéficié au bout de deux ans d'une formation de qualité qui leur permettra de défendre les couleurs de leur nation. Ils ont appris le commandement de la section, ce qui leur permettra d'assumer cette fonction dans les unités de batterie qu'ils auront à commander. Le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, le général Bichara Issa Djadala a mis l'accent sur l'importance de leur engagement au service de la paix. Après deux ans de formation, ces jeunes officiers ont acquis des connaissances théoriques et pratiques pour être aptes à commander des hommes sur le terrain. Les écoles des officiers interarmées est une composante du groupement des écoles militaires interarmées GMIA, vient de présenter 49 officiers formés, dont 3 de la République du Bénin et 2 de la République du Niger. Cette cérémonie a été sanctionnée par un défilé de l'armée de l'air et de l'armée de terre, des gendarmes, des gardes nationales et nomades du Tchad et des lauréats de la 27e promotion. Vous l'avez corrigé de vous-même, la cérémonie est présidée par le représentant du chef de l'État, le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Noureddin Deloa Kassiré Koumakoy. Le nouvel ambassadeur du Cameroun au Tchad, Mohamed Sani Sanimou, a présenté les copies figurées de ses lettres de créance ce matin au ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la diaspora, Chérif Mohamed Zine, Jean-Philippe Ouyinakachi. Cette présentation des copies figurées des lettres de créance marque l'entrée en fonction du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel avec l'inscription de son nom dans la liste du corps diplomatique. Diplomate réputé, le nouveau représentant du Cameroun au pays de Tomaï, Mohamed Sani Tanimou, a gravi peu à peu les échelons de la profession de la diplomatie dans son pays. La qualité de son travail lui a valu sa nomination en qualité d'ambassadeur du Cameroun au Tchad.
Avant sa désignation à la prestigieuse fonction d'ambassadeur du Cameroun au Tchad, le plénipotentiaire camerounais occupait le poste de directeur général des élections et les CAM. Il est né en octobre 1956 à Ebolova, marié et père de 5 enfants. Le Tchad et le Cameroun sont liés par l'histoire et entretiennent depuis toujours des liens de coopération stables avec des relations étroites par le respect mutuel et une amitié franche et cordiale. Le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, en collaboration avec le projet sur l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, a procédé ce matin à la présentation d'un rapport. C'est le rapport d'un voyage d'échange et de partage d'expériences en matière de participation des femmes dans la vie socio-économique et publique. La rencontre Le Voyage s'est tenue à Kigali, au Rwanda. Guillaume Benguéré. Cette rencontre vise à restituer la mission effectuée à Kigali en juillet dernier, où la délégation tchadienne, conduite par la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Dr Jalal Arjoun Khalil, a échangé avec le pays d'accueil sur l'expérience de participation des femmes dans la vie socio-économique et politique. Un séjour qui a permis à la délégation de tirer des enseignements riches dans le domaine de promotion du genre. Le choix porté sur le Rwanda n'est pas fortuit. Il a été retenu tenant compte des avancements significatifs réalisés dans le domaine de la promotion du genre, d'avoir 5% au gouvernement occupant des postes stratégiques. Le présent atelier vise à partager les bonnes pratiques d'apprise et restituer les enseignements tirés de ce voyage. Le coordonnateur national du projet souhaite Youssouf Awar Nessa relève qu'au Tchad, des efforts remarquables sont en cours en ce qui concerne la participation de la femme dans la vie de la nation, surtout que le gouvernement fait de celle-ci une priorité à l'ère de la 4e République. Le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat organise depuis ce matin à la Bibliothèque nationale la cérémonie de lancement officiel de la 2e édition du Mois international du livre et de la lecture. Le thème cette année, la lecture théâtrale. Garcetti Aimé pour les précisions. Galvaniser la jeunesse tchadienne à s'intéresser davantage à la lecture. Tel est le but de la 2e édition du Mois international du livre et de la lecture. Le Mois international du livre et de la lecture est un programme bien rempli avec des dialogues littéraires, des séances de lecture publique dans les établissements scolaires, des sketchs, des présentations théâtrales, des jeux concours, des journées portes ouvertes, des ateliers d'écriture, la remise des livres à des établissements scolaires, aux centres de lecture et d'animation culturelle, aux orphelinats et les réfugiés. Le chef du département de la culture, Madeleine Alingué, souligne que les livres et la lecture sont considérés comme des expressions de base pour le développement et de connaissances. La culture du livre nous permettra de libérer nos visions, notre imagination, nos cœurs, nos corps, notre intelligence, notre créativité. Que le livre redevienne une pratique de notre culture. Un panorama de la littérature tchadienne pour bien cerner l'évolution historique est également au menu de la 2e édition du Mois du livre et de la lecture. Le projet Amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad, PARSAT, organise depuis ce matin une journée d'information scientifique. Une journée pour mettre en place des stratégies efficaces pour lutter contre le changement climatique. Kalianga Voudna. Par cette journée, le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad, PARSAT, informe les anciens chercheurs scientifiques sur la santé biophysique des écosystèmes dans sa zone d'intervention et sur les démarches entreprises pour faire face au changement climatique. Il ressort des différents exposés que le projet rencontre plusieurs obstacles dus aux aléas climatiques, entraînant ainsi une baisse de production. Pour sa bonne mise en œuvre, le PARSAT sollicite le concours des scientifiques afin de mener des études et lui permettre de mettre en place des stratégies pour lutter contre le changement climatique et accroître les rendements agricoles dans sa zone d'intervention. Un combat que mène aussi le gouvernement depuis longtemps. Dès le lancement des activités du projet en 2016, mon département, à travers la coordination du projet, s'est investi pour accélérer la préparation et la signature d'une convention avec le Centre international de recherche en agroforesterie, ICRAF,
dont l'objet principal est de fournir et de diffuser des informations climatiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur assure l'assistance et la contribution de son département pour réaliser cette étude. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'engage à en faire bénéficier les chercheurs universitaires, lesquels devront les exploiter judicieusement. Il convient de rappeler que les données issues de cette étude serviront d'outil d'aide à la décision des politiques nationales. Malgré l'interdiction formelle de couper les arbres, à Lomia, à environ 90 km au sud de la capitale, des arbres sont coupés et parfois des arbres fruitiers. Les auteurs de ces forfaits se livrent à cette activité pour produire du charbon. Noah Doumbaïta Lomadi nous en dit plus. Derrière ces champs de sorgho se cachent des chantiers à ciel ouvert créés par les ennemis de la nature. Informé de la situation, le préfet du département du Chari a fait une descente sur le site afin de constater de visu les dégâts causés par ces personnes sans foi ni loi à la recherche des gains faciles. Le préfet et la délégation qui l'accompagne ont assisté à un spectacle odieux et désolant. C'est pas la faim qui les pousse de faire ce travail. C'est des gens de nature fainéants. La saison est une saison très bonne. Au lieu de travailler la terre, ils sont là à détruire la forêt. Pour le magistrat, il faut une riposte d'envergure pour stopper les activités des charbonniers en plein ressort. Cette lutte acharnée contre les ennemis de la nature doit passer par l'optimisation des efforts. Les autorités qui mesurent l'ampleur de cette situation la qualifient de tragédie environnementale. C'est un acte très sauvage, nous étions saisis et nous sommes venus constater de nous-mêmes le nombre des arbres détruits. Nous avons mis des dispositifs pour lutter contre ces gens-là. Le préfet réitère la volonté politique du gouvernement à déployer des moyens pour que la mise en œuvre de la lutte soit réelle et effective. Rendons-nous maintenant pour nous intéresser cette fois-ci aux activités de la Fondation Grand Cœur. La Fondation Grand Cœur a remis des kits scolaires au ministère de l'Éducation. Des kits scolaires qui sont donc destinés aux élèves tchadiens sur l'ensemble du territoire national. Reportage. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique bénéficie de 18 000 lots de kits scolaires. C'est l'œuvre de la Fondation Grand Cœur. Cet appui a pour but d'encourager les élèves à poursuivre leur cursus scolaire. Ces manuels seront répartis dans les 23 provinces du Tchad. Ce kit, comme vous le savez, vient à point nommé parce que les parents d'élèves et les élèves attendent impatiemment un soulagement. Et je crois que le soulagement est venu à point nommé avec la remise officielle de ce don au ministère de l'Éducation nationale de la promotion civique. Et moi, je compte beaucoup plus sur votre rigueur et surtout sur votre pragmatisme et plus encore sur le respect de la chose publique qui vous anime pour que ce don soit remis officiellement aux bénéficiaires. La remise de ces matériels didactiques est appréciée à sa juste valeur par le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Je voudrais, au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, exprimer ma joie et ma satisfaction de cette remise de dons venant de la Fondation Grand Cœur qui est dirigée par Madame la Première Dame de la République du Tchad, Son Excellence Inda Dembitno, qui a toujours été des côtés du ministère de l'Éducation nationale. L'éducation est au cœur de l'action de la Fondation Grand Cœur. C'est pourquoi la Fondation met chaque année un point d'honneur à aider les élèves aussi bien à N'Djamena que dans les provinces du Tchad. La lutte contre les maladies zoonotiques, entendez les maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme, était au centre d'un atelier de formation qui s'est tenu à N'Djamena. Une initiative du ministère de la Santé publique et du ministère de l'Élevage en partenariat avec l'OMS et l'Organisation internationale de la santé animale. Les détails avec Mohamed Omar Morsal. Les ministères de la Santé publique et celui de l'élevage ont désormais des textes communs selon les normes internationales sur les maladies zoonotiques. Ces documents élaborés par ces deux ministères et leurs partenaires définissent les moyens de lutte contre les maladies transmises par les animaux domestiques à l'homme, tels que la rage, la grippe aviaire, la fièvre de la vallée du rifle
et le virus Ebola. À travers ce règlement, le pays, sous le leadership de son Excellence le Président de la République, Idriss Déby Itno, s'est engagé à développer, renforcer et maintenir ses capacités de base pour répondre donc aux différentes menaces zoonotiques. Le représentant de l'Organisation internationale de la santé animale à cet atelier, Brice Lafia, salue les efforts fournis par le gouvernement tchadien pour la lutte contre les zoonoses. Il explique par ailleurs que son organisation entend apporter son soutien total au gouvernement tchadien dans la lutte contre les maladies zoonotiques. À l'issue de cet atelier, les participants recommandent au gouvernement et aux organisations internationales de mettre en place un comité de suivi pour la mobilisation des ressources pour lutter efficacement contre ces phénomènes. Fin aujourd'hui à N'Djamena de la rencontre internationale des contrôleurs des assurances de la CEMAC et de la CDAO. La digitalisation de l'assurance était au centre de cette rencontre. Une nécessité à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Adef Ahmad Benrama. Les contrôleurs des assurances venus des États de l'Afrique centrale et de l'Ouest ont eu à passer au scanner la thématique principale de leurs assises, la digitalisation de l'assurance, enjeux, implications et actions. Par cette initiative à troisième du genre, l'on voudrait adapter ce secteur aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, et ceci dans le but de simplifier les opérations aux usagers, mais aussi aux professionnels. Ce séminaire organisé par l'Institut international des assurances de Yaoundé vous a permis sans doute de parfaire vos connaissances en vue d'être à jour des innovations apportées par la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Je ne doute pas, compte tenu de la qualité des uns et des autres, que ce séminaire a atteint son but, qui est celui d'assurer la formation continue des cadres de nos marchés d'assurance. La Direction nationale des assurances a manifesté toute sa gratitude à l'Institut international de l'assurance pour les multiples actions tendant à moderniser ce secteur. Remise de parcelles de terre ce matin à Dineu dans la commune du 7e arrondissement de la capitale. Les bénéficiaires sont des personnes affectées par un projet de drainage. Les précisions avec Adef Ahmad Benrama. Elles sont 1024 personnes affectées par le projet de drainage dans la ville d'N'Djamena à être indemnisées avec chacune une parcelle, comme ici dans le site d'Adineu, dans la commune du 7e arrondissement. Pour le directeur du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Youssouf Farak Mabrouk, l'indemnisation s'est faite conformément au texte en vigueur. La mairie de N'Djamena dit être associée à ces projets dont elle salue l'aboutissement. Après avoir expliqué les difficultés liées à l'indemnisation des personnes affectées par les travaux de drainage lors de la 6e réunion ordinaire du 2 février 2017, les membres du comité de pilotage avait recommandé à mon prédécesseur de faire un plaidoyer auprès de l'Agence française de développement pour prendre en charge le budget pouvant permettre d'indemniser les personnes affectées par les dix projets. Du côté du ministère de l'Aménagement du territoire, l'on affirme que le département et partant l'État a assumé ses responsabilités. Soucieux de conduire le processus dans le respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale ainsi que celui des droits humains, le gouvernement du Tchad, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a recommandé l'élaboration d'un document fondamental appelé Plan de déguerpissement et d'indemnisation, le PDI. Le PDI est un document d'orientation pour le suivi et la mise en œuvre des activités conformes aux normes internationales en matière de déplacement involontaire d'une tranche de la population. Les victimes du déguerpissement suite au projet de drainage expriment leur satisfaction. Avant tout, je remercie l'État qui nous a octroyé ce terrain. L'appui de l'Agence française de développement a été salué par le ministère de tutelle et la mairie de la ville de N'Djamena. Le maire de la commune du 7e arrondissement de la capitale, Ahmad Mahamad Guémé, a fait un point de presse ce matin. Au cours de ce point de presse, le maire a évoqué plusieurs sujets, entre autres la sécurité, la maîtrise des recettes de la commune. Suivez plutôt Ahmad Mahamad Guémé. La réorganisation du système de recouvrement s'impose. Désormais, les équipes de recouvrement
sont constituées par quartier selon chaque type de taxe. Par exemple, l'équipe chargée de recouvrer la taxe des bars du Chagua ne pourra que faire ça et dans les limites du ressort territorial. Il n'y aura plus de chevauchement. Les valeurs vont être changées dans un style et modèle différent que les anciennes. Les couleurs seront variées d'une taxe à une autre. L'examen au point fin des différents problèmes qui minent la sécurité nous ont conduit à adopter quelques stratégies telles que les patrouilles mixtes, les quadrillages inopinés de certains nids à haut risque dans certains quartiers et le bord du fleuve. Il sera créé dans les carrés de notre commune des comités d'assainissement et de vigilance des jeunes sous la supervision des chefs des carrés et des conseillers municipaux. Le site Portail de la Renaissance du Tchad, créé en 2015 par des jeunes tchadiens résidant en Arabie Saoudite, est désormais officiel. La direction générale de la télévision vient de délivrer aux initiateurs du site une autorisation de fonctionnement. Varelaj. Les programmes diffusés sur les antennes de la télévision nationale tchadienne sont désormais accessibles à tous sur l'étoile de manière officielle. Et c'est grâce à la volonté des jeunes tchadiens résidant en Arabie Saoudite, avec à leur tête Abdelbassit Anjar Ahmad, qui est l'initiateur du portail de la Renaissance du Tchad, en même temps président du conseil d'administration. La vision est de porter plus loin les programmes de la télévision nationale d'une part, et d'autre part, de convaincre des millions de téléspectateurs à suivre cette chaîne nationale. Créé en 2015, le portail de la Renaissance du Tchad a à ce jour plus de 5 millions d'abonnés sur YouTube et plus de 13 millions d'abonnés sur Facebook. En recevant de la Direction générale de la télévision nationale tchadienne l'accréditation de diffuser les programmes de la chaîne, les créateurs de ce site trouvent un moyen de conserver les archives de la télévision nationale. À Moundou, chef-lieu de la province du Logon occidental, le projet Bab al-Amal a été officiellement lancé ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Mohamed Béchir Daoussa. Robert Dougno. Le projet Bab al-Amal de l'arabe La Porte de l'Emploi est sans doute la réponse à la problématique du sous-emploi qui se pose avec acuité pour la jeunesse tchadienne, dont celle de la province du Logone occidental. La présentation du contexte, de la justification et de la structuration du projet par son coordinateur national, Laokunda Alaou Serge, fait comprendre l'environnement dans lequel sera mis en œuvre ce projet, dont la composante 1 favorisera l'insertion socio-économique des jeunes vulnérables par la mise en place des services d'appui à la formation qualifiante, et la composante 2 renforcera les compétences des jeunes par le développement de la formation par apprentissage sur la base de l'expérience du projet d'appui à la formation professionnelle pour l'amélioration et la compétitivité des entreprises du Tchad AFPA7. Pour ce qui est de la ville de Moundou et ses environs, deux bureaux formation-emploi sont déjà implantés pour accompagner quelques 500 jeunes tout au long de leur parcours d'insertion vers l'emploi. En lançant le projet, le gouverneur de la province du Logon occidental, Mohamed Béchir Chérif Daoussa, a souligné que la question de l'emploi constitue un sujet de préoccupation majeure pour le gouvernement et ses partenaires au développement qui l'ont inscrite au premier rang des priorités du Plan national de développement 2017-2021. C'est le lieu ici d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement de notre pays et à travers lui, son excellence, Riz Devi Itumou, président de la République, qui ne cesse de se battre pour, sur tous les plans en faveur de la jeunesse tchadienne et qui a bien voulu porter son choix sur notre province parmi les 5 villes du Tchad pour exécuter ce projet, hormis les villes de Djamena, Abéché, Sar et Bongor. Projet de 4 ans porté par le ministère de l'économie et de la planification du développement, Bab al-Amal, implanté dans 5 villes secondaires du pays, à savoir Moundou, Sar, Abéché, Bangor et Bol, est financé à hauteur de 6 milliards 300 millions de francs CFA par l'Union européenne à travers l'Agence française de développement AFD. La paix, la cohésion sociale et l'unité nationale au centre d'une rencontre qui s'est tenue entre les jeunes de la commune, de la communauté Hemat Salamat et Rachid à la résidence du gouverneur du Salamat. C'était le 27 octobre dernier. Nédion Patricia Mbaïregugu nous en dit plus. L'objectif de cet atelier est de partager les expériences en matière d'assistance alimentaire
mieux impliquer les différents acteurs à tous les processus en vue de mieux capitaliser les acquis. Il s'agit à terme de consolider les bonnes pratiques afin de mieux organiser les interventions au niveau provincial. D'après le chef de bureau PAM Mongo, Alan Tigaro, bienvenue. Le programme alimentaire mondial à travers son plan de réponse à la soudure de 2018 a fourni une assistance alimentaire à plus de 115 500 bénéficiaires issus des ménages vulnérables répartis dans les départements d'Aptouyou, Mangalme et Guéra. Cette assistance alimentaire utilisant la modalité cash pour un montant d'environ 2 milliards de francs CFA, couplé aux distributions de plus de 272 000 tonnes de suppléments nutritionnels pour la prévention de la malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 23 mois, ainsi que les femmes vivant dans les ménages à faible revenu. Pour le gouverneur de la province du Guéra, Mahamat Ali Assabala, l'intervention de PAM concorde avec la vision du gouvernement qui a consenti d'énormes efforts à travers les projets et programmes agricoles afin de garantir la sécurité alimentaire à la population tchadienne. Nous allons revenir sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Vous l'avez compris de vous-même, ce reportage est bien signé Patricia, mais il porte plutôt sur la lutte contre la malnutrition. La cinquième édition de l'examen du brevet des techniciens supérieurs national aura lieu demain, 3 novembre 2018, au lycée féminin bilingue. À moins de 24 heures des épreuves, une équipe de Téléchat s'est rendue à l'ONEX. Au siège, le jury pour constater de visu les préparatifs. Katnou Théophile. Tout est prêt, affirme-t-on au niveau de l'Office national des examens au concours du supérieur ONEX où siège le jury de l'examen du brevet des techniciens supérieurs national. Pour cette cinquième année consécutive, ils sont moins de 600 candidats à présenter leur dossier. Une situation qui surprend les responsables de l'ONEX, surtout que les instituts et écoles de formation professionnelle privées se comptent par dizaines dans chaque arrondissement de la capitale. On a beaucoup d'institutions privées, mais qui ne présentent pas leurs candidats à cet examen. On ne sait pas pourquoi, alors qu'il y a un programme national que le ministère de l'Enseignement supérieur a mis à leur disposition, mais ces institutions-là ne présentent jamais les candidats. Pourtant, les sujets proposés par l'ONEX et le jury ne sont pas aussi choisis au hasard. Ces sujets sont tirés des bases de données de l'ONEX et également on l'a complété avec les propositions faites par les enseignants de ces instituts privés. Voilà, c'est sur la base de ces deux bases de données que nous avons confectionné les sujets. Pour la crédibilité de l'examen, les jurys qui s'activent pour le respect du calendrier a mis les sujets dans des enveloppes sécurisées avant de les remettre aux responsables du centre d'examen. Le président de la coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne, Mahmoud Ali Seyid, condamne les actes esclavagistes perpétrés par certains groupes de personnes dans la partie septentrionale du pays. C'est un acte qui doit être combattu avec la dernière énergie. Un extrait de ses propos. La Kazakh se dit outrée par ces actes et demande au gouvernement de traquer ces esclavagistes jusqu'à leur dernier retranchement afin qu'ils répondent de leurs actes. Cependant, la Kazakh dénonce vigoureusement le comportement indigne et irresponsable de certains de nos compatriotes, des surcroît activistes, imbus par leur incivilité vis-à-vis des textes de la République et qui crachent sur la toile à longueur de journée des messages mensongers et diffamatoires, incitant les Tchadiens à la haine et à la division. Les Tchadiens ont connu les affres de la guerre et qu'en aucune manière, ils n'accepteront sans réagir ces comportements répréhensibles à tout point de vue. Ces compatriotes sans foi ni loi, et qui plus est sans probité morale, doivent raviser, car l'histoire incorruptible de la République les rattrapera. Ils ne pourront échapper longtemps à la justice, car leurs vrais visages sont désormais dévoilés devant la face du monde. Advienne qui pourra. La CASA continuera toujours par défendre la paix et la stabilité dans notre cher et beau pays, le Tchad. Le président de l'Union des associations nationales pour l'unité et la solidarité
Ahmad Bechir Ahmad s'est prononcé ce matin au cours d'un point de presse par rapport aux conventions de subvention signées entre le Tchad et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Suivez. Du 21 au 28 octobre dernier, nous avions séjourné à Khartoum, dans la capitale soudanaise. Ceci, sur l'invitation de la Banque arabe de développement économique, BADEA. Durant notre séjour au Soudan, notre organisation a signé plusieurs conventions de subvention dans le domaine agricole. Il s'agit de la convention de formation des jeunes en entrepreneuriat agricole et la convention d'octroi de crédit sans intérêt avec la BADEA. Ces conventions entre les différentes institutions et notre organisation entrent dans le cadre de la promotion de l'agriculture promue par les plus hautes autorités du pays. L'Union des associations nationales pour l'unité et la solidarité informe que la délégation de la BADEA séjournera au Tchad dans les mois à venir. La coalition des associations de la société civile, fils du Tchad, Menassar, dans le Moyen-Chari, une campagne de vulgarisation de la nouvelle loi constitutionnelle. La cérémonie marquant le démarrage des activités a été présidée par le gouverneur de la province, Badisahir Fadoul. Après les 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena, le président de la coalition des associations de la société civile dénommée Fils du Tchad, Faisal Hissène Hassan Abakar, intensifie la sensibilisation sur les résultats du Forum national inclusif et les acquis de la 4e République sur le développement national à l'endroit des autorités administratives, civiles, des associations des jeunes et les autorités traditionnelles et coutumières du Moyen-Chari. Du haut de cette tribune, il a situé le bien fondé de cette nouvelle loi constitutionnelle à la population sarroise. Cette caravane a pour but d'appuyer les réformes institutionnelles qui rend à la grandeur de notre nation son excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, alors candidat aux élections présidentielles, a fait la promesse de réformer les institutions de notre pays. Élu sur cette base, le président de la République tiendra à ses engagements envers son peuple. À peine investi, a mis les jalons des réformes par la création d'un autre comité chargé des réformes institutionnelles. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abadi Sahir Fadoul, salue à sa juste valeur cette initiative qui met en exergue la volonté du gouvernement tchadien. Il a réitéré sa disponibilité à accompagner les jeunes de sa circonscription à la vulgarisation du message à l'endroit de la population. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé 4.